Bonjour Ethan, comment vas-tu? Ça te dirait de jouer à un jeu pour apprendre la couleur orange? Super, bah allons-y. Trouve les objets cachés dans le parc qui sont orange. Ah. Oh. Bravo Ethan, tu as trouvé une fleur orange. Youhou! Trouvons un autre objet caché qui est orange. La citrouille est orange. C'était amusant. Continuons de jouer. Les carottes sont oranges. Trouvons un autre objet orange. Tu as trouvé une sucette orange. Bravo, Ethan. Tu as trouvé beaucoup d'objets oranges. Veux-tu qu'on récapitule? La fleur est orange. La citrouille est orange. La carotte est orange. La sucette est orange. Nous nous sommes bien amusés. À la prochaine, mon ami. Bonjour Ethan, ces perroquets sont magnifiques, n'est-ce pas? Ça te dirait de les observer de plus près? Ok, allons-y. Tu as vu quelque chose, Ethan? Regarde, Ethan, le perroquet est vert. Doucement, Ethan. Ne fais pas peur au perroquet. Vas-y doucement. Tu te rapproches. Oh, ne sois pas triste, Ethan. Tu peux chercher un autre perroquet. Qu'est-ce que c'est, Ethan? Oh, le perroquet est rouge. Ne te fais pas repérer par le perroquet. Ces perroquets ont l'air très timides, Ethan. Ce n'est pas grave. Essayons encore. As-tu vu un autre perroquet, Ethan? Le perroquet est bleu. Oh
Oh non. Ah. Ce n'est pas grave. Les perroquets n'aiment pas être dérangés. Mm-hmm. Ce n'est pas de ta faute. Oh. Regarde, Ethan. Les voilà. Je crois qu'il t'aime bien, finalement. On s'est bien amusé. À la prochaine, Ethan. Bonjour, Ethan. Pourquoi tu ne fais pas la course avec bébé Ethan? Oh, aujourd'hui, tu es l'entraîneur de bébé Ethan? Super. Ah, on dirait que bébé Ethan a besoin d'aide. Par quoi on commence? Ne t'inquiète pas, Ethan. Mais les roues de bébé Ethan semblent usées. Tu pourrais peut-être les changer? Montons-les. Excellent. Bébé Ethan, tu as des pneus de course flambant neufs. Autre chose? Tu as soif, bébé Ethan? Bon choix, Ethan. Un peu de carburant nous aidera sûrement. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas, bébé Ethan? Maintenant, je pense que bébé Ethan est prêt à partir. Bébé Ethan, que s'est-il passé? Tu n'arrives pas à voir la route parce que ton pare-brise est embué? Je suis sûr que nous pouvons faire quelque chose, n'est-ce pas, Ethan? C'est beaucoup mieux. Excellent travail, Ethan. Tu as raison, Ethan. Après tout, c'est plus amusant de faire la course. Allons sur la ligne de départ. Vous êtes prêts, les amis? Messieurs, démarrez vos moteurs. À vos marques, prêts, partez! Amusez-vous bien, les amis. À bientôt. Bonjour, les amis. Vous savez vraiment comment passer une belle journée d'été? Qu'y a-t-il, bébé Ethan? Oh, tu te demandes pourquoi il neigeait il y a quelques mois et tout à coup, il fait chaud et sec. C'est dû à ce qu'on appelle les saisons. Il y en a quatre, et chaque saison a sa propre particularité. Tu veux connaître le nom de la saison des neiges? C'est l'hiver. En hiver, il peut faire froid et neiger. Et tu peux descendre les collines en traîneau, comme tu l'as dit. Vous voulez savoir quelle saison vient après l'hiver? Laissez-moi vous donner quelques indices. Ça peut être un peu pluvieux, mais plus chaud que l'hiver. C'est le moment idéal pour planter des arbres et des fleurs. C'est exact, bébé Ethan. C'est le printemps, comme le moment où tu as planté des arbres.
Je suppose que vous savez en quelle saison nous sommes maintenant, n'est-ce pas? Vous avez raison, c'est l'été. C'est la période de l'année où il fait chaud et sec. Que pouvez-vous faire pendant l'été alors? Bien sûr, jouer au football comme vous l'avez fait aujourd'hui. Autre chose? C'est exact, c'est vraiment agréable d'aller pêcher en été. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une saison, et c'est l'automne. En automne, vous pouvez jouer dans les tas de feuilles. C'est aussi le moment idéal pour faire la moisson ou cueillir des baies et des fruits. Alors les amis, il est temps de revoir tout ça. Commençons par la saison où vous avez planté des arbres. Comment l'appelle-t-on? Bravo bébé Ethan, c'est le printemps. Et après le printemps, vient la saison que nous avons maintenant. L'été, c'est parfait. Et puis nous faisons la moisson et sautons dans des tas de feuilles. C'est exact, nous le faisons à l'automne. Et enfin, nous avons la saison avec la neige et Noël. L'hiver, c'est exact. Bravo les amis. Maintenant, je vous laisse retourner jouer. Profitez de cette magnifique journée d'été, exactement. Au revoir les amis, à la prochaine.